à tous. Vous avez tous sûrement déjà connu cette situation un peu frustrante ou en vous rendant chez de la famille ou des amis, par exemple. Vous rentrez dans le salon et puis vous vous dites « Ah, ben, disons qu'on a le même objet de déco. » Bon, sur le coup, vous gardez le sourire, mais en fait, finalement, vous êtes un peu dégoûté parce que vous qui pensiez avoir trouvé le tapis qui vous correspondait parfaitement ou encore le miroir retraduisant parfaitement votre personnalité, eh bien, finalement, c'est raté. En réalité, nous sommes 72% de Français à souhaiter des designs d'intérieur personnalisés en termes de matière, de couleur, de taille ou encore de finition. Ne serait-ce pas ici paradoxal, car si nous souhaitions réellement tous des intérieurs personnalisés, devrions-nous vraiment nous retrouver avec le même objet de déco que son entourage ? Je pense que la décoration n'est pas forcément un sujet qui vous passionne tous, mais cependant je pense qu'elle vous concerne tous. C'est pour cela que j'ai distingué 5 profils différents. Tout d'abord, l'amateur. Celui-ci, donc, il aime bien aménager son foyer, mais par contre, il ne s'y connaît pas vraiment en décoration. Alors que le passionné, lui, est toujours à la recherche de nouvelles tendances et est vraiment fan de déco. L'inspiré, lui, manque cruellement d'idées pour retranscrire son identité au sein de son foyer, alors que le révolté, lui, en a marre de la standardisation des objets de décoration dans les magasins. Le proactif, quant à lui, est toujours à la recherche de la perle rare. C'est donc grâce à la standardisation des objets de décoration et de ces 5 profils que nous avons pu construire notre concept Psyché. Psyché est donc une start-up qui met en valeur la participation des utilisateurs dans la conception de leur propre petit mobilier de décoration. Le principe est très simple. Nous mettons en ligne un questionnaire sur le produit du mois. Vous y répondez, nous analysons ensuite vos réponses et nous vous proposons un prototype basé sur vos attentes, vos besoins et vos envies afin que vous puissiez le précommander, l'objet en question, en cas de coup de cœur. À savoir qu'aucune production ne sera lancée tant que nous n'aurons pas atteint le nombre de précommandes requis, de manière à respecter un peu plus l'environnement également. Ce nombre de précommandes requis sera donc atteint et déterminé en fonction du prototype, de par le calcul des coûts de production, mais également de notre marge à nous dégager pour rentabiliser le produit à produire. Les prix varieront donc en fonction des différents produits que nous proposerons tous les mois, et notre production sera bien sûr 100% française. Aujourd'hui, nous en sommes au stade où il nous faut encore déterminer les fournisseurs de matières et les producteurs de manière à pouvoir vous proposer des produits de qualité, mais également accessibles. Notre promesse que vous ne vous retrouviez plus jamais avec le même objet de décoration que votre entourage. Sur du long terme, nous avons également prévu de créer un showroom éphémère nantais afin que vous puissiez personnaliser un objet passé de A à Z grâce à des rendez-vous sur mesure. Nous avons également prévu de mettre en pratique des collaborations artistiques afin de mettre en valeur l'art local nantais. Aujourd'hui, donc, ça fait 6 mois que nous travaillons sur le projet, sur le business plan, et la prochaine étape sera le lancement du MVP, Minimum Viable Product, sur une population test afin de confronter le concept au grand public et de pouvoir concevoir nos 3 premiers produits avant le lancement définitif de la plateforme e-commerce. Merci.